Chaque dimanche, les plages de la capitale économique sont envahies de monde, car c'est là l'une des principales distractions des ports gentillets le week-end, du fait de l'absence de centres de loisirs. Jeunes comme vieux se retrouvent pour s'évader ou se distraire. Un rendez-vous quotidien qui, malheureusement, s'est très mal passé ce dimanche 10 mars à la plage de Sogara. En effet, aller pour se distraire, un jeune compatriote nommé Franck Onanga, élève assez fort, va se noyer après un plongeon. Des amis rencontrés sur place vont tenter de le secourir, malheureusement, ni les efforts des uns à le sortir de l'eau ou les massages cardiaques des personnes de bonne foi ne vont pas ramener à la vie ce jeune mineur. Un décès qui va plonger les amis du défunt dans la douleur et les personnes autour dans la stupéfaction. Un énième cas de noyade qui devrait interpeller les pouvoirs publics sur la nécessité d'avoir des maîtres nageurs, des sauveteurs ou secouristes dans les plages afin d'assurer la sécurité des personnes. De même, rappeler les uns et les autres la nécessité de se baigner à la berge pour éviter des cas de noyade.